Abonne-toi! Et salut à tous, c'est Ribosome et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va faire de la chasse. On va essayer de chasser l'écureuil, de trouver l'écureuil, de tanner l'écureuil, de dépecer l'écureuil, de le momifier. Donc là, pour ce faire, on est juste à côté du deuxième camp. On est donc au niveau du troisième chapitre du jeu. Et on est ici. Les écureuils. Alors, pour les tuer, c'est flèche à petit gibier avec votre arc et omnivore, donc on peut les piéger avec un piège à herbivore. Donc voilà, donc on est ici. Je montre sur la map. Voilà, ici, en dessous du camp. Voilà. Donc nous, ce qu'on va faire en fait, c'est qu'on va dormir jusqu'au matin. Minuit et après matin pour qu'en fait les animaux s'habituent à notre présence et en fait ils sont beaucoup plus proches de vous et vous avez beaucoup plus de probabilité d'en trouver si vous dormez jusqu'au matin. Oh. Bah, très bien. De toute façon, il y en aura. Alors. Des flèches, petit gibier, ok. On avance. Ça, c'est les ratons laveurs. Donc, il y en avait deux. Un troisième là-bas. Ah non, ça c'est. C'est les mêmes que tout à l'heure. Ah non, c'est deux autres. Je sens que ça va partir en vidéo raton laveur. Et pas écureuil là pour le coup. Donc, le raton laveur. Fusil à petit gibier. Ça évitera de flinguer la peau. Est-ce qu'on a des ratons laveurs? Une étoile, trois étoiles. Oh là là. Archi rare. Donc là, on va pas faire de la merde. Ils vivent en groupe, hein. Olé. Donc là, quand la barre en bas à droite descend, vous appuyez sur les deux joysticks. Et la barre remonte. Regardez, hop, bon bah là il est mort mais. Un raton laveur, 3 étoiles. C'est extraordinaire. On dépece. Voilà. Maine Coon, infini dans la sacoche. Voilà. Bon, les autres, on peut les laisser, vous voyez, une étoile, deux étoiles, et une étoile, donc on les laisse tranquillou. Donc pour les ratons laveurs, du coup, c'est la nuit. Il vous faut, voilà, il vous faut les chasser la nuit, puisque ce sont des animaux nocturnes. Voilà, et du coup, voilà, un coup de chance, vous en trouvez dans cette zone. Dans cette zone. Bon bah du coup on va continuer à chasser l'écureuil. Ok. On va aller chasser de l'écureuil. Je sais pas si c'est facile à trouver la nuit, ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait. Moi ce que je fais c'est que des fois je cours comme ça et en fait ça. Ça me révèle les pistes là-bas, il y a un truc, une dinde sauvage. J'ai l'œil. L'œil du chasseur. Après, j'ai chassé 10 heures à peu près sur Red Dead. Donc, à force, je commence
toucher ma bille, rouler ma bosse, avoir de la bouteille. Sauf là, ce qui m'énerve, c'est que je peux pas dormir. Je vais quand même le tenter. Ah ouais. Alors. Ah non, je peux pas. Je ne peux pas. Qu'est-ce que c'est que ça? Quelle est cette trace? Flèche à petit gibier, c'est bon. C'est un écureuil roux d'Amérique. On va quand même vérifier s'il y a une différence entre le roux et le normal. Vous voyez, ouais, 133 animaux sur 551 et je suis au chapitre 3. Donc les écureuils sont là. Alors, écureuil roux d'Amérique. Voilà, l'écureuil roux d'Amérique se trouve dans les zones forestières de West Elizabeth. Ok, il est omnivore. Donc voilà, le piège à herbivore. Un arc avec des flèches à petit gibier permet de le tuer sans trop endommager sa peau. Celle-ci peut être vendue à des marchands. Nanana. Ok. Et je vais vous montrer juste parce que ça sera du coup une vidéo pour deux animaux. Pour ceux qui les auraient pas encore trouvés. Voilà, le raton laveur d'Amérique du Nord vit à Lemoyne, New Hanover et West Elizabeth. Omnivore qui se nourrit de plantes, baies, grenouilles, rongeurs et œufs. Alors on peut trouver des œufs. Moi j'ai trouvé des œufs d'alligator dans le bayou et je pense qu'on peut les utiliser pour les appâter. C'est des voleurs d'œufs. Ok, donc le fusil à petit gibier est l'arme idéale. Donc ça on l'a vu tout à l'heure. Ça vient nanana et elle peut être utilisée pour fabriquer des objets. Voilà. Donc lui on va le dézinguer hein. Ce petit. On va essayer de pas le perdre. Où es-tu petit écureuil? Si je suis au-dessus de toi, ce sera. Voilà, il est là. Il faut qu'il se stoppe. Il est vif ce salaud. Alors. Tout tenter pour l'avoir. Qu'est-ce que c'est que ça? Une moufette rayée. Ouais, c'est aussi une zone à moufette. Voilà. On récupère la flèche et écureuil 3 étoiles. Est-ce que c'est pas la méga classe? Bon ben voilà. Du coup, vous avez vu du coup le raton laveur et l'écureuil. Bon, le raton laveur n'était pas prévu, mais comme ça fait d'une pierre deux coups. Voilà, une vidéo de 10 minutes, c'est parfait. Bah écoutez, je vous laisse là. Je vais faire des vidéos pour chaque animal qui seront utiles pour fabriquer des objets pour Arthur Morgan. Que ce soit pour lui-même ou pour le camp d'ailleurs. Donc il y aura du bison, de l'alligator, il y aura du cerf, de la biche, beaucoup de biches. Et. Voilà. Mais écoutez, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à me dire dans les commentaires ce que vous aimeriez voir comme chasse dans le jeu.
Voilà, bah, écoutez, merci à tous et à bientôt.